pas Aero, moi je suis Aero du quotidien et franchement c'est beaucoup, beaucoup d'honneur. Madame la ministre, cher Philippe, mesdames, messieurs, chers collègues élus, mesdames, messieurs ici présents, en vos grades égalités, comme on dit d'une manière un petit peu ramassée, et je vous prie de m'en excuser, mais vous avez bien compris que le moment est tellement fort que je ne voudrais pas que mon discours puisse être perçu d'une manière trop longue. Deux points. Le premier, vous dire toute l'émotion qui est la mienne. Et bien évidemment, pour les élus et pour toutes celles qui sont là, l'émotion personnelle, si elle est importante, elle n'est pas suffisante si elle ne s'inscrit pas dans un projet collectif. Et pour moi, la reconnaissance est une des valeurs qui m'a construit en tant que citoyen et en tant qu'individu. Et je voudrais pouvoir l'exprimer tout à l'heure, Madame la Ministre, au cours d'un moment de convivialité, d'autant plus que ça fera 5 ans demain, jour pour jour. Et la seule reconnaissance que je vais porter pour vous publiquement, avant de l'exprimer individuellement tout à l'heure, c'est la reconnaissance vis-à-vis du candidat Emmanuel Macron à la présidence de la République, quand il est venu ici le 17 mars 2017. Si le président de la République, le candidat n'était pas passé, au-delà de la volonté qui a pu m'animer, nous animer, et je pense, Madame la Ministre, que nous ne serions pas là ce matin, cet après-midi, même s'il n'y a qu'une petite partie, non, une partie assez conséquente des fenêtres qui sont ouvertes et qu'elles s'ouvriront prochainement dans le temps. Je sais que bon nombre d'élus avant moi avaient œuvré et milité pour cette réhabilitation, devenue possible après le départ de la maison de retraite, même si nous avons gardé la pierre gravée, Madame la Ministre. Et je veux saluer bien sûr les élus de Villers-Cotterêts qui ont travaillé à cela. Et il y a le maire actuel, bien évidemment, et Jean-Claude Prusky qui est ici, qui a eu l'honneur de trouver un emplacement pour la maison de retraite. Donc, je ne vais pas remonter dans toute l'histoire, mais franchement, c'est un grand moment, et Philippe l'a exprimé avec force. Pour ma part, cette réhabilitation aurait pu être en tant que telle une finalité, parce que c'est le dernier château royal qui était dans un état de désuétude, et quand je parle, je pense au préfet Sauvé, Monsieur le Préfet, Sauvé de l'époque, et qui, pardonnez-moi ce jeu de mots qui est fait du hasard, a véritablement sauvé ce château à travers la mise en place de protection sur le toit. Et quand je le rencontre à chaque fois, eh bien, c'est un des meilleurs souvenirs qu'il met en avant pour le département de l'Aisne. Donc, aujourd'hui, si nous en sommes là, il y a eu, et vous l'avez dit, Philippe, la convergence d'une action collective. La convergence d'une action collective avec l'étincelle allumée par le président de la République. Cette convergence collective, elle s'est exprimée d'abord, cher Philippe, par l'engagement du ministère de la Culture sans faille. Et franchement, quand on est ici, dans cette cour des offices, bien évidemment, c'est toujours difficile de parler d'argent. Mais là, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Ça d'abord a été un engagement, et cher Philippe, tu m'as pris par la manche à plusieurs reprises quand il y avait des doutes par rapport à ça, pour les 80 millions qui permettaient de pouvoir espérer cette réhabilitation. Et après, il y a eu bien sûr ce plan de relance qui a été vraiment la cerise sur le gâteau pour que ça puisse aller plus vite. Alors quand je dis aller plus vite, je mesure le tour de force. Franchement, c'est un exploit. Et tout à l'heure, tu m'as qualifié de héros, c'est vous les héros. C'est vous les héros avec les entreprises qui sont venues travailler le jour, la nuit, avec des organisations pas possibles. Et bien sûr que, bien évidemment, nous aurions bien aimé pouvoir, dès maintenant, ouvrir toutes les fenêtres. Mais c'était insensé de penser cela. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous sommes là. Vous savez, quand il y a des constructions, quand il y a des bâtisseurs, ce qui est important, c'est le bouquet qu'on met en haut du toit, ce beau bouquet, et pourtant, ce n'est pas terminé. Eh bien, nous sommes là avec ce beau bouquet, d'autant plus que quand il y a la construction comme ça, et même avant la construction, il y a des doutes. Et les doutes étaient partout. Les doutes, mais non, ça ne se fera pas, c'est un engagement politique.
eh bien, les doutes sont transformés aujourd'hui en réalisations concrètes et précises. Madame la ministre, je suis très heureux de vous accueillir ici. Nous sommes vus hier, à l'intermédiaire de la Visio à Pau. Vous avez fait un brillant discours sur le multilinguisme. Je vous ai vu avec Alexandre de Montesquieu lors du lancement de la semaine de la langue française et de la francophonie dans vos bureaux. Là aussi, c'était un moment très très fort. Et donc, je connaissais votre impatience de venir ici à Villers-Cotterêts. Ça fait quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, qu'à chaque fois que nous voyons d'ailleurs, ce sujet, c'était Villers-Cotterêts. Vous y êtes. Pour nous, c'est un honneur. C'est un honneur très fort dans le cadre, bien sûr, du lancement ou des quelques jours après le lancement de la semaine de la langue française et de la francophonie. Pourquoi ? Ce territoire, ce château, bien sûr, c'est l'ordonnance de 1539. Mais ça a toujours été le phare, quand il était dans le cadre de sa splendeur, du développement du territoire. D'ailleurs, un développement qui va tout à fait dans l'objectif de rêver des éléments positifs, c'était mon plaisir, tel qu'on le qualifiait. Bien, j'espère que ce mon plaisir de cette